ça, il faut mettre la fédération et l'association qui mérite à tout. Les qui sont en train de choisir, sont en train de faire pour l'année 2011. Après qu'ils s'apprennent, ils ont été complétés avec l'information nécessaire ou sa athlète, qui sa fédération ou bien l'association il a choisi. Sa document, il mérite d'arriver pour le Conseil national du sport, NSI, pas plus tard qu'il est 17, ça moi. Un bon point majeur qui nous mettait, nous sommes en performance. Mais si la fédération met tout performance à l'athlète qui ne fait pas de l'athlète, que le niveau local, le niveau international, pour nous assister. Automatiquement, sa bonne fédération, les athlètes qui ont choisi les meilleurs athlètes. Et bien, si pour le comité de sélection, ils ont sélectionné les meilleurs athlètes l'année, il y a toute sa bonne information pour capable baser les décisions. Pour c'est important que la fédération mette tout bon résultat de l'athlète qui ne fait pas de l'année. Même s'il y a dans certaines fédérations qui ont fini normalement avec des billets athlètes pour ça l'année, mais où que tu fais sa interview mercredi passé, NSI n'a pas encore gagné aucune sa forme, sorti contre aucune fédération pour nomination avec des billets athlètes pour l'année 2011. Je suis content, qui bonne forme, il y a des côtés, le plus bonheur possible. C'est pour ça raison que nous avons eu bonheur pour bandi mon café, le travail, côté concerne l'organisation avec sélection. Jusqu'à l'heure, nous avons dit que nous n'avons pas gagné aucune forme officielle dans notre côté. Mais seulement nous connaissons pour dire qu'il y a une bonne fédération qui travaille là. Et nous respectons qu'il y ait avant les 17 ans de l'année qui nous donnent. Nous avons une bonne forme. C'est les autres les meilleurs, les meilleurs. Cérémonie couronnement de l'athlète pour l'année 2011 pour faire vendredi le 27 janvier 2012. Et l'endroit pour l'hôtel Berjaya, pour Valombe.